Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'une danse avec la mariée. Pas de plus beau mariage que celui-là. Le soleil brille, les cloches de l'église sonnent à toute volée et la mariée est la plus belle qui soit. La population des environs est venue assister à la cérémonie. Les sept nains, assis au premier rang, essuient leurs larmes de joie avec de grands mouchoirs. Un gigantesque banquet, suivi d'un grand bal, sont organisés au château. Les invités sont annoncés au fur et à mesure de leur arrivée. Prof, joyeux, atchoum, timide, grincheux, simplet et dormeur, crie le page alors que les sept nains entrent dans le salon d'honneur, ébahis par tant de splendeur. Bigre, fait timide en se cachant derrière prof, impressionné par le marbre et les chandeliers qui ornent la pièce. C'est alors qu'une sonnerie de trompe retentit. Tin-tin-tin! La princesse entre au bras de son époux. L'orchestre commence alors à jouer et le prince l'invite à danser la première valse. Les nains soupirent. Ils ne peuvent détacher les yeux de Blanche-Neige. Cela doit être merveilleux de danser avec elle, n'est-ce pas, dit Joyeux. Cela donne une idée à prof. Il entraîne ses compagnons vers le vestiaire et emprunte quelques effets. Atchoum, ne bouge pas, explique-t-il. Timide, grimpe sur ses épaules et toi, Simplet, tu feras la tête du danseur. Alors que la pyramide de nains tangue dangereusement, prof l'enveloppe d'un grand manteau et le boutonne jusqu'au cou de Simplet. Le drôle de danseur tremble de tout son corps quand il s'avance dans la salle de bal vers Blanche-Neige. « M'accorderez-vous cette valse ?» demande la voix étouffée de Timide. « Bien sûr, dit Blanche-Neige qui rit en voyant cette tour branlante. Alors que la musique commence, Blanche-Neige et son partenaire font quelques pas sur la piste en essayant de garder l'équilibre. « Ce manteau me chatouille, couine Atchoum !» Simplet, lui, vit le plus beau jour de sa vie. Mais soudain, les nains entendent un bruit qui leur glace le sang. « Ah ah ah! Accrochez-vous, les gras !» crie prof. « Atchoum !» Le danseur perd l'équilibre et vient voler au-dessus de la table du banquet. « Je vous tiens !» dit le prince en attrapant le trio, qu'il repose tout doucement au sol. « Maintenant, ma chère, voulez-vous bien finir cette danse avec moi » ajoute-t-il à sa bien-aimée. Blanche-Neige répond en riant, « Mais avec joie !» Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain !»